Sur le stand Denon OIN de Munich 2008, on a évidemment les grosses pétoires, aussi surnommées l'étoile noire de Denon, c'est le POA1HD, un amplificateur de puissance 10 canaux, 5 x 500 watts ou 10 x 250 watts évidemment, avec ses fameux vue-mètres sur la face avant. Évidemment certifié THX, montable en rack, qu'on peut attaquer en symétrique avec du XLR. Ça tombe très bien parce que le AVP1HD qui est censé aller avec, le préampli processeur AVP1HD, peut sortir du symétrique, c'est très peu courant. Il est également compatible Wi-Fi, comme on peut le voir à la petite antenne là. Fonctionnalité réseau, compatible Wi-Fi évidemment, prise USB, et là il peut se calibrer tout seul. La télécommande est une télécommande de voix, elle peut recevoir des informations, donc on peut avoir par retour un retour d'informations et lire sur l'écran des données envoyées par le AVP1HD. Donc c'est maintenant disponible pour 7 000 € et 7 000 € en Allemagne. Et aussi une autre nouveauté, alors on en avait déjà entendu parler plusieurs fois, mais c'est les lecteurs Blu-ray Denon. On a d'abord celui-là, c'est le DVD 3800 BD, un très joli lecteur Blu-ray, façade alu, design sobre, orienté vers une bonne qualité de son, puisqu'il a le Advanced AL24 Processing, un traitement du son source Denon pour que le son paraisse plus analogique. Un traitement par puce vidéo Silicon Optics Realta, encore mieux que la Rion HQV. Mais alors, il est important de préciser que ce lecteur-là, qui sera vendu 2 000 € en Allemagne, est un lecteur normal, classique, complet. Alors plus loin, on a le DVD 2500 BT, qui lui est une mécanique de lecture seule, c'est-à-dire qu'il va se contenter de lire les disques Blu-ray et d'envoyer toutes les informations lues par connectique HDMI 1.3. Alors côté vidéo, bien sûr, il est mis à l'outil, hein, avec une puce de traitement 10 bits, mais qui n'est pas, comme sur l'autre, une Realta, un peu moins qualiteux. Il sera vendu 1 000 € et il ne dispose d'aucune sortie analogique.